Dans notre lutte, s'il y a une personne qu'il faut remercier infiniment, c'est le procès Eddy. Pourquoi? Le procès Eddy, pour nous, c'est le symbole de la constance. Et depuis le premier jour que nous l'avons invité à DC, il a dit il nous faut un comité de transition en Côte d'Ivoire. Et depuis ce temps, il n'a jamais relâché. J'ai eu à l'inviter quand j'étais président du comité d'organisation sur Diokoué, qu'on a dit Diokoué est ville et martyr. Et je lui ai dit, professeur, on n'est pas là pour remuer le couteau dans la plaie, mais on est là pour penser positif. Et il est venu, il a enrôlé tout ça là dans un symbole qu'il a appelé la réconciliation. Et il a déposé ça devant le professeur. Les mots me manquent. Les mots vraiment me manquent. Surtout le Kassi, doué aussi. Il faut lui transmettre tous nos remerciements. Nous vous remercions infiniment. Je suis aujourd'hui la voix de Cérizul, qui est membre du Kassi, donc qui ne peut pas se congratuler lui-même. Mais tout ce que j'ai à dire, je remercie infiniment le Kassi, qui a été à nos côtés. Kassi vient, Kassi nous donne un fonds régie, Kassi nous donne $400. Kassi nous donne $500. Ils n'ont jamais demandé de compte. Mais quand on dit au procès, il dit où tu es, il dit j'arrive. Donc, je prends ici tout le monde en témoin. Vraiment, tout le monde, just give me a big hand. On va vraiment le remercier. Quoi. Ouais. La musique qui va passer là, ça s'appelle Amazing Grace. Avant de passer, tu nous as fait une musique à Dieu. Et cette musique-là a été chantée par Noah Stewart, qui est un chanteur d'opéra. Et nous pensons, parce que nous pensons fermement, comme l'a dit tous ceux qui sont intervenus, si Blé Goudé et Babou ont été libérés, c'est grâce à une main qui a été divine. Et comme le dit la chanson, il n'y a que Dieu qui peut libérer. Parce que généralement, quand on regarde dans le cas des tribunaux internationaux, quand le procureur présente un cas, on dit toujours au procureur que tu n'as pas prouvé ton cas au-delà du doute raisonnable. C'est la première fois dans l'histoire des tribunaux internationaux, parce que j'ai une carte de bibliothèque de la librairie du Congrès. J'ai fouillé dans tous les cas où il n'est jamais apparu un verdict. No case to answer. Ça là, je n'ai jamais vu ça. Celui qui trouve un cas où il y a eu un verdict, no case to answer, il n'a qu'à m'appeler, on va faire des recherches dessus. C'est ça là que j'appelle la grâce divine. Parce que même si on écoute la chanson, tout le monde a pensé que Babou Louane n'en est plus jamais revenu. Voilà, beaucoup ont pensé, mais pas nous. Ah bon, ouais, ok. Donc il n'y a que cette main divine là qui a fait qu'aujourd'hui, mais nous avons nos deux compatriotes back. N'en déplaise au diable. N'en déplaise au diable, la grâce est divine. La libération de nos deux leaders, c'est une grâce divine. L'origine est très simple. La chanson a été composée par John Newton. Et John Newton, c'est un British qui, au départ, a un voilier pour aller acheter des nègres. Et il est parti en Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest. Et il a acheté des nègres. À son retour, maintenant vers London, une grande tempête s'est abattue sur le voilier. Le bateau partait en lambeaux. Quand il s'est agenoué, un gros païen n'a jamais cru en Dieu. Il s'est agenoué et il a dit à Dieu, si tu sauves mes passagers et mon navire, je vais chanter ta gloire jusqu'à ce que je meure. Et quand il a fini sa prière, la tempête s'est arrêtée. Et comme il ne pouvait plus continuer à Londres, il est retourné en Sierra Leone, où un autre négrier l'a utilisé lui-même comme esclave. Donc il a vu ce que, on dirait, les esclaves. C'est pour ça que la chanson dit « You keep me alive from that wreck,
I was blind, now I can see. Ah, si tu regardes les mots là, c'est-à-dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est une chanson qui concerne la rédemption, la rémission des péchés, et tout ce qui est forgiveness, le pardon et tout. Donc c'est l'origine de... Merci. Je vous remercie.